Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle vidéo. Alors, j'ai un peu la flemme en ce moment, d'autant que j'ai beaucoup trop d'albums à vous présenter, donc je ne sais pas encore si je vais tout montrer. En tout cas, déjà dans cette vidéo, je vais me restreindre un petit peu. Et puis pour le reste, peut-être que je ferai une sélection des albums que je juge les plus importants, enfin les plus surprenants. Voilà, on va dire les choses comme ça. Je pense que ça sera mieux. Et puis peut-être que je ferai un petit montage rapide pour vous montrer ce que j'ai pu dénicher ces derniers temps. Sachant qu'on est lundi matin, le 8 août, que ben, samedi et dimanche, il y avait une petite foire au vinyle à Aix-en-Provence et que j'ai acheté entre samedi un album et dimanche 6. Voilà, ça fait encore des choses et des albums à montrer rien que pour ce début d'août. Donc là, je vais remonter un petit peu dans le temps et vous montrer quelques albums que j'ai trouvés et avec des choses vraiment très très sympas. Par contre, pour les extraits, je ne suis pas certain de pouvoir en mettre beaucoup. Déjà, il y a deux albums qui sont sur le label ECM, donc là, c'est même pas la peine d'y penser. Et puis les autres, il y a un groupe de rock plutôt connu qui vient de faire deux concerts en France, notamment. Deux, oui, c'est ça, deux. Enfin, je sais pas, je n'y suis pas allé parce que c'était pas à côté de chez moi. Et puis, bon, voilà. C'est tout. Et puis voilà. Enfin bon, bref, on verra bien quand je vais faire le montage définitif et que je vais essayer de voir si je peux mettre des extraits. Mais déjà, il y a au moins deux des albums que je vais vous présenter qui ne seront pas en extrait. Alors, je vous mettrai peut-être des liens vers des vidéos si on arrive à en trouver sur YouTube, hein. Donc, allez, on va commencer par le plus connu, hein, le plus évident. Un album que j'ai trouvé à 1 euro à ma ressourcerie, coup de bol, presque neuf d'ailleurs, il y a encore le cellophane. Alors voilà, hein. L'album des Rolling Stones, Out of Our Heads, pressage anglais. Alors c'est une réédition mono de 2003, hein, sachant que l'original date de 1965. Alors je ne vais pas vous présenter hein, les Rolling Stones, hein. C'est peut-être leur quatrième album, il me semble, je ne suis pas tout à fait certain de ça, hein. Pour la petite histoire, j'avais déjà cet album avec un autre pressage que j'avais trouvé il y a quelques années de ça en vide-grenier. Un peu fatigué, mais je vais vous le montrer parce que je l'ai quand même sorti. Voilà, donc même album, pochette différente et tracklist un petit peu différente. D'ailleurs, c'est le bordel avec les Stones, hein, entre les tracklists, les pressages français, anglais, américain. On n'a pas forcément les mêmes titres et pas forcément dans le même ordre. Alors, pour vous montrer à quel point hein, il a peu hein, un artiste qui s'est un petit peu lâché dessus, donc voilà, hein. Et même sur la sous-pochette, hein, autant vous dire, avec un très beau label Decca, hein. Là c'est un pressage de 65, hein, aussi, hein, donc pressage original de 65, hop. Voilà, et donc celui-là qui est une réédition qui sonne très très bien. Bon, je vais pas. C'est pas un label couleur. C'est pas un label. C'est pas un vinyle couleur. Hein, donc voilà. Tout simplement, ça sonne vraiment très bien. Et coup de bol. C'était le seul album qui était intéressant dans les bacs de la ressourcerie. Hein. Et puis bon, la différence de tracklist, hein, ben, il y a. Déjà, ça commence pas par le même titre, il me semble pas. Vous voyez, par exemple, sur la face 1, il y a Merci, Merci, et là, il y a She Said Yeah. Bref, donc je vous laisserai les liens en commentaire, hein, vers les différents albums pour que vous puissiez, si vous avez envie, de voir un petit peu les différences de tracklist. Hein. Voilà, ensuite. Toujours à la ressourcerie, c'était pas le même jour, c'était un jour deux jours avant ou deux jours après, je me souviens plus. Juste un album que j'ai pris, quelque chose de très classique, hein, Arnold Schoenberg, hein, Sérénade et Ode to Napoléon.
Hein, sachant que c'est un truc un petit peu, comment dire, l'ode à Napoléon, c'est un petit peu ironique, hein, quelque part. Hein. Je ne pense pas que Arnold Schoenberg portait dans son cœur Napoléon Bonaparte. Et puis je pense que vu la période à laquelle ça a été écrit, hein, l'ode à Napoléon date de 1943, je pense que Napoléon visait plutôt un certain Adolphe. Hein. Voilà. Ben, c'est à la fois classique dans la forme et déjà imprégné du style dodécaphonique hein, que va. Creuser Arnold Schoenberg. Hein. Là, c'est sur Decca, hein, pressage anglais de 1984. Et c'est très beau, c'est très beau, c'est très classique, mais c'est très beau. Enfin, c'est très classique. C'est à la fois classique, à la fois contemporain d'une certaine manière. Mais c'est très très beau. Mais si je dois vous conseiller une œuvre de Schoenberg hein, pour commencer, c'est La Nuit Transfigurée. Qui est magnifique, une espèce d'œuvre qui, à la fois lente et puis qui monte de plus en plus en ampleur, qui est absolument magnifique. Hein. Et une version notamment que moi j'ai en CD par Herbert von Karajan, hein, quoi qu'on pense de Karajan, qui est très très belle. Mais voilà, ça se laisse pas, enfin, moi, pour moi, ça se laisse pas dans un bac de ressourcerie. Hein. Voilà. Allez, ensuite. Alors ensuite, là, c'est, comment dire, c'est la trouvaille de la semaine, hein, à l'époque, hein, au moment où je l'ai trouvé, parce que je suis allé dans un dépôt-vente à Aix-en-Provence, dans la zone industrielle des mines, qui s'appelle Oka Déco. Dépôt-vente qui existait en centre-ville, qui a fermé. Dépôt-vente dans lequel j'avais souvent trouvé des chouettes albums, hein, et puis bon, il a fermé définitivement l'année dernière, je crois, en fin d'année dernière, ou en début de cette année, je ne sais plus trop bien. Et donc, il y a de nouveau quelques vinyles à Oka Déco, dans la zone industrielle des Milles. J'ai trouvé récemment des trucs très sympas, mais ça sera pour une autre fois. Et puis là, j'arrive, je fouille, pas grand-chose, et puis d'un coup, je sors un truc, je vois un truc, je fais, je vous le dis, hein, tel que je fais, oh putain! Et puis je sors le truc, je dis, ah ben non, mince, c'est que la réédition. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est une réédition d'un album qui date de 1972, mais est-ce qu'il est sorti à l'époque ou pas? Donc je vous montre. Alors la pochette peut-être ne dit rien à la plupart d'entre vous. Hein. Hop. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux. Non, Jean-Claude Vanier, l'enfant assassin des mouches. Alors c'est une réédition sur le label Finders Keepers qui date donc de 2021. Album paru en 72, un album mythique, hein, je ne vous dis pas le prix de loger. Jean-Claude Vanier, vous connaissez peut-être de nom. Si vous connaissez Gainsbourg, vous connaissez l'histoire de Melody Nelson, c'est Jean-Claude Vanier qui a fait les arrangements, et on peut même dire que c'est lui qui a composé la musique de cet album magistral de Serge Gainsbourg, hein, l'histoire de Melody Nelson, c'est absolument génial. Et là, on est, voilà, c'est un album instrumental totalement hors piste. C'est à la fois, il y a des guitares psychées, il y a des percussions, il y a des plages orchestrales. Vraiment foisonnante. Enfin, c'est juste excellent, c'est juste, c'est peut-être même voire génial, quoi. Voilà. Il faut savoir que la particularité, c'est que quand il a fait écouter ça à Gainsbourg, Gainsbourg a dit, attends, laisse-moi passer la nuit dessus et puis je te ponds un truc dessus. Alors il n'y a pas de texte, on entend des voix, on entend un peu de field recording, des bruits de pas, des bruits de nature entre guillemets, des bribes de voix, des choses comme ça, mais chaque titre de l'album avec c'est comme un album concept hein, l'enfant, la mouche et les allumettes par exemple et à chaque fois Gainsbourg a créé une petite phrase qui illustre un petit peu selon Gainsbourg hein, ce que c'était hein, par exemple une mouette blessée est en déroute, l'enfant prépare ses allumettes, il la poursuit et tente de la brûler. Vous voyez, pas très gai hein, mais c'est quelque part c'est le Gainsbourg cynique. Mais voilà, donc quand j'ai vu cet album dans le bac, hein, j'ai eu un coup au cœur. Mais bon, tout de suite, hein, j'ai tout de suite vu que c'était la réédition. J'ai payé 8 euros, ce qui est vraiment un prix vraiment absolument, absolument génial. Alors je pensais que c'était un double album, mais je viens de découvrir, je le découvre avec vous, qu'à l'intérieur, il y a une photo de Jean-Claude Vanier.
Voilà. Jean-Claude Vanier, compositeur, arrangeur absolument génial, hein, et à qui Gainsbourg doit énormément, franchement énormément. Même si au moment de la parution enfin de la composition de cet album, leur collaboration, ils étaient en fin de collaboration. Après, chacun a suivi sa route, hein, si on peut dire, hein. Mais voilà, c'est une pure merveille, je vous le recommande, mais vraiment chaudement, chaudement, c'est absolument magnifique. Voilà, ensuite, alors, quatre autres albums issus cette fois d'un. Je prends mes notes hein, quand même, hein, pour pas vous raconter des cracks et n'importe quoi. Issus d'un échange avec un ami, Laurent, merci à lui, hein, et puis un échange que. Franchement, je suis vraiment content de cet échange parce que ces quatre albums vraiment très très bons, du jazz et du grand grand jazz, hein, que ça soit quel que soit le style de jazz que c'est, mais c'est quand même du jazz assez contemporain, assez moderne. Hein. Alors on va commencer par cet album. Alors, hein. Alors la pochette n'est pas griffonnée, hein, c'est le titre de l'album, hein, c'est l'Art Ensemble of Chicago. Je sais pas si on le voit bien, voilà. Et l'album s'appelle Nice Guys. Et donc là, on voit les membres de l'Art Ensemble, hein, Lester Bowie, Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, Favors Magostus et. Oh là là, j'arrive pas à lire le nom. Famoudou Don Moye. Enfin bon, bref. Paru en j'ai un trou de mémoire 1979 sur le label ECM, donc pas d'extrait, hein, faut pas y compter. Je vous montre. Et voilà. Donc je vais pas m'étendre hein, sur l'Art Ensemble. Enfin, je vais si m'étendre un tout petit peu. C'est un groupe de jazz, un ensemble de jazz essentiel du jazz contemporain américain entre la tradition qui va de la fanfare de la Nouvelle-Orléans au free jazz le plus débridé, hein, avec cette fusion de, ben, des racines de la musique afro-américaine, hein, magnifiquement illustrée par ce groupe. Hein. Moi, j'ai plusieurs albums de l'Art Ensemble hein, en vinyle, j'en ai au moins un ou deux en CD, et c'est toujours, toujours une merveille à écouter. C'est vraiment, il n'y a rien à acheter avec leurs albums, c'est absolument, enfin, c'est superbe, quoi, c'est superbe. Là, vraiment, merci Laurent de m'avoir proposé cet album lors de cet échange. Je vous montre à l'intérieur, il y a un petit insert. Bon, minimaliste, hein. On trouve les photos des musiciens et puis les titres. Lester Bowie, donc Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, voilà donc Malachi Favor Magostus et Famoudou Don Moye. Hein, Lester Bowie, trompette notamment, Joseph Jarman, les différents saxophones, puis des percussions, des choses comme ça. C'était des musiciens, comment dire, très, très multi-instrumentistes. Hein, ils pouvaient jouer de beaucoup d'instruments lors de leurs enregistrements. Et ça donne une musique à la fois riche, à la fois inspirée, à la fois vivante. Enfin, c'est l'Art Ensemble of Chicago. Donc voilà, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous mettre d'extrait et c'est bien dommage. Ensuite, je continue. Alors, je continue avec un album avec une pochette un peu improbable, un peu kitsch. Hein. Charles Lloyd's at the Tallinn Jazz Festival. Et le titre, c'est Charles Lloyd in the Soviet Union. Alors, Charles Lloyd, hein, c'est un musicien de jazz. Hein. Là, on est dans un album qui date de 70 et c'est un. Concert, une série de concerts donnés en 1967 en Estonie, dans la ville de Tallinn, qui était encore à l'époque une république de l'Union soviétique, de l'URSS, d'où cette pochette qui fait très affiche de propagande soviétique, hein, une petite forme de provocation, hein, parce que bon, dans le 67, 70, hein, je pense que. C'était pas les relations entre l'Amérique et les États-Unis n'étaient pas forcément au beau fixe. Hein. Alors, il y a un line-up de folie sur cet album, hein, puisqu'on y trouve bon, Charles Lloyd, hein, qui est
qui est un musicien, pas trompettiste, flûtiste, saxophoniste, hein, et on y trouve quand même Jack DeJohnette, batteur, hein, qui va devenir un des batteurs essentiels aussi du free jazz américain, Keith Jarrett au piano, hein, quand même, hein, et puis Ron McClure, il joue de quoi? Alors attendez que je me souviens, c'est peut-être le moins connu des quatre, hein, Ron McClure, bah à la basse, tout simplement, hein, tout simplement à la basse, hein. Et c'est très beau, c'est très beau. Alors c'est un album de soul jazz, de post-bop. On n'est pas encore dans le free jazz, même si par moments ça monte en intensité, mais c'est très chouette. C'est vraiment très très chouette. C'est vraiment un bel album live. Charles Lloyd, c'est quand même un des grands du jazz, hein, même si c'est pas le musicien le plus connu et le plus médiatisé, même de nos jours. Hein. Voilà. Sachant que, par exemple, il y a un album de lui qui est ressorti dans la série Blue Note Tone Poet, que j'aimerais bien voir, mais qui est un petit peu cher. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, deux autres albums pour finir, parce qu'on y retrouve le même musicien. Alors, le premier que je vais vous présenter, pareil, ECM, donc pas d'extrait. Voilà, je vous montre. Hein. Don Cherry. L'album s'appelle Old and New Dreams avec Dewey Redman, Charlie Alden et Eddie Blackwell. Alors Charlie Alden, hein, c'est quand même quelqu'un de très connu, hein, qui est un contrebassiste aussi. Hein. Eddie Blackwell, batterie et gong. Et puis Dewey Redman, ténor sax. Et Don Cherry à la trompette. Et c'est du free jazz. C'est du free jazz. C'est un album qui date de 1979 aussi. Hein, là, on reconnaît, bon, là c'est Charlie Haddon, Don Cherry. Après les deux autres, dans l'ordre, je ne sais plus trop bien. Je ne connais pas forcément leur tête, mais bon, voilà, au moins ces deux-là, je les connais, ça c'est sûr. Voilà, très chouette album de free jazz, mais assez, quand même très accessible, hein, très accessible. Et le dernier que je vous présente. Alors, je vais te sortir de la pochette plastique parce que sinon ça va faire des brillances. Kodona, encore un import. Alors là, c'est paru sur quel label? Je ne sais plus trop bien. Ben, c'est celui-là qui est paru sur ECM. L'autre Don Cherry, c'est un label italien. Donc celui-là, ben, voilà, c'est celui-là, il n'y aura pas d'extrait. Hein. Alors, là, le groupe s'appelle Kodona et en fait, c'est un trio qui est composé de Don Cherry. Donc toujours pareil, hein, trompette, flûte et comment on appelle ça, le ngoni qui est une espèce de guitare traditionnelle malienne. Ça va vous donner un petit peu l'atmosphère de l'album, hein, avec aux percussions et à la voix Nana Vasconcelos qui est un percussionniste brésilien et puis Colin Walcott qui est au sitar, au tabla. Et à la voix notamment, hein. Et ça donne. C'est un génial mélange de free jazz, de soul jazz avec des accents brésiliens, des accents africains. C'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite. C'est merveilleux. C'est une belle découverte. Je connaissais pas du tout ce trio Codona. Je connaissais la plupart des musiciens, mais individuellement ou en leader ou dans d'autres ensembles. Hein, mais je savais pas, je connaissais pas du tout. Il y a trois albums de Codona. Hein, le trio a fonctionné entre 78 et 84. Là, ça date de 79. C'est le premier album des trois. Et je sais déjà après avoir écouté celui-là et puis pour en avoir discuté avec des connaisseurs, hein, que les deux autres albums sont peut-être même encore meilleurs d'après ce qu'ils m'ont dit. Mais s'ils sont encore meilleurs que celui-là, ça veut dire que ça met la barre très très haut. Hein. Voilà, Codona, Don Cherry, Nana Vasconcelos et Colin Walcott. Superbe, superbe. Voilà, bref, j'ai essayé de faire un petit peu vite. Je vais voir les extraits que je peux vous mettre. Alors, je garantis absolument rien. Si je peux, j'en mets. Si je peux pas, ben, tant pis. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo vers des vidéos sur YouTube, hein, si j'arrive à en trouver.
Voilà, en attendant la prochaine vidéo, hein, que ma flemme se résorbe, hein, que le courage me reprenne pour vous montrer la vingtaine ou même plus d'albums qu'il me reste à montrer. Bref, ici à Aix, il fait toujours aussi chaud et ça devient vraiment insupportable, hein. Il n'a pas plu depuis au moins 3 mois, là. Ça, pas eu une goutte de pluie, c'est terrible, terrible, tout est sec. Là, là, là. Et quand on voit des crétins qui, dans leur bagnole, qui jettent le mégot par la fenêtre, on a envie de. On a envie de. Oh non! J'en perds mes mots. J'en perds mes mots, j'en perds ma voix. Bon, bref, allez. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Marchez à l'ombre. Hein, et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Yeah.